C'est vrai. Il pourrait peut-être être le guerrier le plus fort au monde. En fait, c'est effectivement le guerrier le plus fort au monde. Notre prince est un peu bizarre, mais tout le monde l'aime. Tout. Ouah, je croyais que j'étais mort, mais je suis maintenant. Ce gars-là s'est pris à voler de sa vie. Il s'est retourné dans sa job. Il a absolument rien foutu. Là, il se lève. Ah, comme si de rien ne s'était passé. Ah, c'est toi, Blues. Tu t'es fait une bonne réputation. Ne sois pas si humble. J'ai toujours voulu te rencontrer et voir comment tu te débrouillais. Pourquoi? Il n'y a qu'une seule raison pour rencontrer un autre... Swordman. Le combat! Hé, hey, un instant, je ne veux pas me battre contre toi, maintenant. En fait, Maxime sait pertinemment qu'il peut pas battre des corps. Pour ça qu'il a un peu peur. Contre Guy, il est à peu près au même... Il est plus faible, mais il sait qu'il peut se battre un peu, mais contre des corps, il n'y a absolument aucune chance qu'il puisse se battre. Oh, by the way, Veldkate is around. Il dira aussi qu'il a été envoyé par quelqu'un. Comme on voit, puis qu'on va voir pendant le reste du jeu, Décor est le personnage le plus cool à n'avoir jamais été inventé dans tous les jeux vidéo au monde. Oh, c'est toi, Selan. J'ai entendu que tu étais puissante, mais je ne savais pas que tu étais aussi jolie. Oh, un beau parleur. Je suis bon avec les épées, mais pas mal avec les mots aussi, pour les belles oreilles. Vraiment? Il est trop honnête. Ne sait-il pas que la flatterie compte quand ce n'est pas de la flatterie? Pas juste trop honnête, il est trop awesome. Ici, on rencontre trois personnages super cool. Probablement, cette section-là va probablement être la meilleure du jeu. Soldat Rouge, Prince Alex et Décor. Eh oui. Si Décor était plus normal, elle serait probablement folle amoureuse de lui. Fuck you. Si Décor serait plus normal, jamais ce jeu-là serait aussi populaire qu'il l'est maintenant. Je dirais même qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à ce jeu-là juste pour Décor. Décor, il est trop awesome. Unbelievable. Tu décides de venir te battre? Je suis toujours prêt. Je suis sûr que le prince Alex serait puissant, mais il déteste l'entraînement. Bon, un autre qui veut se battre. Pas pire comme pays. Juste pour en acheter. Bon, ils disent toujours la même affaire. Eh oui, tu fais bien. Aussi longtemps que Décor est avec vous, vous allez être sauf. C'est quand même l'homme le plus fort du monde. Ça, je comprends pas. On doit avoir manqué une partie du dialogue. Comme si Tia connaissait ce cuisinier-là. Étrange. Votre Majesté, le maléfique Idura s'est sauvé dans le labyrinthe nord. Très bien, je vais y aller. Joseph, allons-y. Votre Majesté, le labyrinthe est dangereux. Laissez-moi Idura. J'apprécie cela, mais il n'est pas ordinaire. Je suis le seul à pouvoir m'en débarrasser. Votre Majesté. Je déteste avoir à te dire ça. Mais pourrais-tu suivre le prince encore une fois, Décor? Oui, Votre Majesté. Je dois dire, nous ne devrions pas continuer cela pour toujours.
tu sais. Pourrais-tu aider Alex secrètement? Prince Alex traite tout le monde également, c'est pour cela qu'il est autant aimé. Mais j'aimerais qu'il fasse attention à sa force. Take a look at himself. Mauvaise mère, épaisse. Alex a toujours voulu devenir fort, comme décor, malheureusement. Il était faible, génétiquement. Le roi aussi. Ah, 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 ah. Un désert. Pas beaucoup d'enjeux. Y'a rien de particulier pour les déserts. To the North Shrine. Retour des Goblin Mage. Flash! Bidding! Magie assez... Ils ont pas les bonnes statistiques de magie. 30 dommages, on a vu ça, il y a même pas deux combats, je pense. T'sais, ils ont fait une magie, mais ils ont attaqué tout le monde pour 30 dommages. Celui-là, il fait une magie pour une seule personne. Ça a fait 30 dommages. Déjà que Blues a pas une défense magique exceptionnelle. Power Gourd. Bon, à plus. Soigner.